S'il est pas trop d'accord, on va pas aller le voir. Alors ça, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, reviens, reviens, reviens. Non, mais Frogger, je connais. Par contre, Ghoul Patrol. Ghoul Patrol, ça a pas l'air tip-top quand même. Alors ça, pareil, ça me parle. Ça me dit quelque chose, mais je pense pas que ça soit... Je pense pas que ça soit bien en fait, hein. On va pas se cacher quoi. Enfin voilà, après. Pas sûr non plus. Mon Dieu. Bien, attendez, c'est ce que je dis, mon Dieu, mais est-ce qu'il y a pas une. Est-ce que je vois Evo? Il mange et puis après il grandit. Non, pas du tout. Oula. Ah, Cool World. Je me souviens du film en tout cas. Mais Oula. Casper. Oui, Battle Cars. Ah bah c'est un wipeout, hein. Oula, Barbie en drague, tu sais. Mais drague genre départ arrêté là, tu sais qui. Ouais Bob, ouais, je me souviens de ça. Arcanoïde, super. Celui-là, il est super bien animé. Il a l'air d'être chouette. Et quand tu regardes Konami, ils étaient partout pratiquement. Konami sur la Super Nintendo, c'était dingue. Hein. Putain, c'était bien. Là, c'est bien animé. Voilà, ça a de la gueule. Batarang. C'est ça, ok. Mais oui, voilà. Putain, enfin, on tombe sur un bon jeu là. Est-ce que le Batarang fait quelque chose? Ah, il immobilise. C'est bien animé, merde! Un succès! Ah, d'accord. Bon, on va le laisser, hein. On va aller le chercher. Comment j'ai fait ça? Alors, ça, c'est quoi ça? Ah, ça désarme, hein. Ah, le Batarang doit désarmer aussi à la base. Sauf que là, c'est un triple. Ah, c'est ça. Bon, faut choisir. Ça, c'est quoi? Une bombe au poivre. Voilà. Ah, non, c'est terminé. C'est fini. Ah, c'est fini, ma bombe. Ah, parlez. Mais oui, en plus, ça respecte bien le dessin de la BD. C'est beau. Voilà, et là tu sens le taf, tu vois, tu sens que c'est bien animé, c'est cohérent, enfin. Tu vois, tu voilà, t'arrives progressivement, tu. Voilà, c'est bon. Ah, j'avais jamais fait celui-là et bah tu vois, il est pas mal, franchement. Ah, on peut pas faire comme ça, d'accord.
Bon, à un moment donné, ça doit remonter, certainement. Sur cela. Bon, est-ce qu'on peut s'agripper? Es-tu une vraie chauve-souris? Alors, ne fais pas mentir. Ah oui, c'est ça, voilà. Il fallait bien rester appuyé sur le bouton. Ah putain, avec des piques et tout, hein, coquin. Ah, il va comment on fait là? Ah bon. Bon, eh, celui-là il est bien. Eh oh, dis donc, apparemment je suis en train de quitter. Oui, très bien celui-là aussi, je le connais. Très bon jeu. Et on est revenu là-dessus. Alors, ok. Oh là, alors, stratégie. Donc, stratégie sur une Super Nintendo. Je suis pas certain que c'est fait bon ménage. Oh, je l'ai eu celui-là. Vous vous rendez compte? Oh, je peux pas voir ça. Je vais vomir. Non, ça par contre j'ai pas eu. J'ai pas du tout eu ce type. De toute façon, stratégie franchement. Waouh. Populous. À la limite, Populous il devait bien s'en tirer, mais. Mais oui, je m'en vais de là parce que j'ai même pas envie de regarder quoi. C'est. Alors, des jeux de catch, qu'est-ce qu'il y en a eu comme jeu? Ouais, c'est. Bah ouais, celui-là, ouais, putain, je l'ai eu, ouais. Bon, après, je crois que j'en ai pas eu d'autres, hein. C'est que du catch de toute façon, donc voilà. Tennis, donc. Ah ouais, tennis, il y avait Pete Sampras, il y avait Jimmy Connor. Alors, ça, j'ai pas eu. Oui, bah c'était. C'était David Cranes. Putain, je me rappelle de celui-là, ouais. Et ça, là, André Agassi. Il était bien, d'ailleurs. Hein. Super tennis. Oh, vas-y, ouais. Je le fais. J'avais adoré. Un super tennis, franchement, c'était le jeu qui était sorti avec, d'ailleurs, Super Nintendo. Comme Super Soccer, enfin, tous ces trucs-là. Oh, putain, excellent. Ah, ça, j'adore. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer, voilà, voilà. Allez, je vais prendre débit. Non, je prends pas débit. Non, non, oh là là. C'est qui Kim? Oh là là, elle est. Oh là là. Oh là là. Barbe. Étoiles plein les yeux. Et ouais, mais ce truc-là, la rotation, zoom et tout, c'était génial. Oh, putain, j'avais kiffé ce jeu. Putain. Alors, je sais pas si ça va prendre. Ouais, ça prend. Oh, bon, là, je vais jouer 3 plombes. Hein, ça. Oh. Et t'es si indulgent que ça, dis donc, ouais. Alors on faisait des lifts, hein. Il y avait des petits trucs comme ça. Oh, d'accord, putain, passoire. Ah d'accord, passoire. Oh, je me souviens plus que c'était comme ça. Enfin bon, c'est parce que je suis mauvais, hein, tout simplement. Aussi, hein. Faut pas déconner non plus. Ah voilà, il y avait le. Ouais. Je l'ai bien retenu ce bouton. Voilà. Ah, Pépère qui revient au score là. Hein. Et bah, ça me fait bien plaisir de recommencer. Ah ouais, zut. De recommencer ça, dis donc. Allez, on va faire un petit temps. Wow, elle me l'a mise correctement celle-là. Hein. Ah bah, voilà. Voilà. Il n'a pas repivoté de l'autre côté, mais c'est pas grave. On va pas lui en vouloir. Play.
Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, je suis une quiche Lorraine. Ben alors? Je vais pas en mettre une, dis donc. Alors, attends. Bon, là, c'est très jouable, hein. C'est juste que... Oh, pas mal! C'est juste que je suis pas concentré, je suis une quiche, quoi, tout simplement. Hein, je vous dis... Ouais. Maintenant, on joue à des jeux ultra techniques. Maintenant, on joue à des jeux comme ça, on n'y arrive plus, quoi, tu vois. Appuie sur le bouton, ça marche pas. Écoute. Et tu te calmes, mec? Ah. Oh, ça a abusé. Voilà, mais ça, c'est un bon jeu. Voilà, je peux rien dire. Même si je me prends une toise, je perds. C'est un bon jeu. Voilà, un bon jeu de la Super Nintendo. Ah ouais, alors là, bon, en plus, j'allais dire, putain, merde, elle est sortie. Ah, il fallait plonger. Pourquoi tu n'as pas plongé, là? Tu m'emmènes... Oh là là, mon Dieu. Ça marche avec ce bouton, là? Peut-être pas bien, finalement, ce bouton. Ah, dommage. Attends, attends, je suis revenu au point. C'est pas le... Oh. J'étais revenu au point. Oh, catastrophe. Allez, on va la taper bien haute, la balle, parce que sinon, elle va me gronder. Deuce. Ah, c'est moi qui ai l'avantage? Pour dire que je suis même pas concentré, quoi. Je regarde même pas, quoi. Je dis... Ouh, comment je te l'ai mis celle-là? Non, non. Ouais, alors là, ouais, petite imprécision quand même qui me dérange. Je veux dire que j'étais dessus quand même, hein, sur la babade. T'es en train de m'énerver là. Mais non! Bon. Eh ben, en tout cas, elle est bien. Et pour la peine, je le mets dans les favoris. Je sais plus s'il était bien, hein, franchement, celui-là. J'ai un gros doute, je l'ai eu. Mais je vais pas prendre de risque. Alors, kick-off. Alors, non. Ah, ça, c'est le premier kick-off. Excellent. Oh là là, excellent. On mettait des pralines. Je crois qu'il y avait des pouvoirs magiques là au bout d'un moment. Je me souviens, tu devais pouvoir faire des frappes de ouf. Je sais pas si c'était celui-là. C'était du PES, hein. ISS. C'était du PES, hein. Putain, c'est énorme de revoir ça, c'est magnifique. FIFA 97 en 3D isométrique. Injouable jeu, une merde. Tu frappais du milieu de terrain, tu marquais direct. Et pourtant, c'était quand même un jeu qui avait une sacrée gestion au niveau des joueurs et tout. Ouais, celui-là, il avait commencé à faire mal. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa. Il y avait un jeu aussi PSG. J'avais eu un PSG, je sais pas quoi là. Champion. Oh putain, je l'ai eu ce jeu-là. Injouable. C'était injouable. Et pourtant, j'ai dormi sur ce jeu. C'était injouable. Je l'ai reconnu direct avec les étoiles en dessous des joueurs. Injouable. Bah, vous voyez là le petit truc qu'il a fait. Oh là là. Il était bien celui-là.
perce au cœur qui était bien. Oh, je l'ai eu ça aussi. Putain. Aïe. N'a pas eu beaucoup des bons. Oh, super soccer. Une magie à deux. Oh, il était extraordinaire. Extraordinaire ce jeu. Moi j'ai toujours adoré. Alors là franchement. Ah bah, bien sûr que j'ajoute ça, c'est une merveille. Je fais pas de match hein, parce que ça risque de durer longtemps, mais c'était une merveille. Ah bah, alors ça je connaissais pas, tu vois. Je sais pas qu'ils en avaient fait. Hein. Bah, alors, ça se voit que c'est pas top. Hein. D'accord, bon bah finalement, bon alors non. Ah, je me souviens, il y avait un jeu d'hockey. Bon, à part les NHL, de baston. Style arcade qui était super. Mais c'est des NHL hein, que j'ai eu. Hein, mais en, par contre, c'était en vue du dessus, c'était pas comme ça. Ouais, il y avait celui-là qui était. Mais c'est pas celui-là que j'avais. Street hockey, merde. C'est celui-là. Oh là 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 là, c'était ça, putain. NHLPA, ah je mets. Ah je mets. Et je me souviens même que j'avais mis... on pouvait faire ordinateur contre ordinateur et du coup je faisais des tournois et tout. Énorme. C'était énorme. Ah, ceux-là, je les avais pas. C'était bien le premier à NHLPA. Oh. Ah bah c'est celui-là. It's the Ace. Où tu mettais des coups. Et celui-là, il était sur la Neo Geo. Il me semble. En tout cas, il est en bande d'arcade. Ça, j'en suis sûr. Football américain, pas trop fan. Boxe. Super Punch-Out. Putain, vas-y, je vais essayer. Oh là là, je l'avais sur la Nintendo. Je l'ai jamais eu sur la Super Nintendo, je l'avais sur la Nintendo celui-là. Je le connais pas du tout là comme ça. Ah, oh, vas-y, m'embête pas là. Je m'appelle 7. M'appelle K. K0. Ça fait KO. Le mode championship. On fout. Comment on joue? Alors, Gabby J. Genre français et tout. Gabby J! Alors comment on joue? Ok. Ok. Praline. Ok. Praline bas. Ok. Salaud. Hop là. Hop, 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 hop. Et praline. Ah, il m'a mis un super pouvoir magique là. Ouf. Ouais. Ah, on peut mettre en arrière aussi. Hop là. C'est pas évident, n'empêche, mais c'est trop fort. Moi j'adore. Hop là. Hop là. Ah, c'est ça la grosse droite. Genre, il récupère sa vie et tout. Mais KO! One, two, three, four. Fight!
Putain, je vais même pas arriver à battre le premier. Ah ouais, tu rigoles pas là, je l'attaque là. Je laisse plus de choix là. Je suis un boxeur d'exception. Ah là, regarde, t'as vu la mandale que je lui ai mis. Hop là. Hop là. Ouais, tu vas aller au sol, mon gars, je vais tout de suite. Hein. Il est revenu d'aplomb. Ah non, mais là je vais pas le lâcher. Hein. Je suis un boxeur de ouf. Hein. Ah putain! C'est dur à esquiver cette attaque là. Ah non, mais. Putain, j'arrive pas à être synchro à chaque fois qu'il me fait ça. Tu vois, j'arrive pas. Je suis nul. Non mais je m'en fous, tu vas perdre. Vas-y, KO. Non, arrête avec ça. Attends, je vais l'attendre. Voilà. Et lui il est en forme, il se relève direct. Hein. Bon, je vois que j'ai ma grosse barre qui s'est. Hop là. Et là je peux. Hop là. Oh putain. C'est bon, là, j'ai bien compris le truc. Et il bloque mes super points. Là. Hop là. Ouf. Oh là, vas-y. Oh là, mandale. Ah, je le lâche pas. Oh putain, c'est bon. Ah, est-ce qu'il va se relever? Parce que maintenant j'ai un round de plus que lui. Ah bah t'es KO. Eh putain, j'ai au moins battu le premier, dis donc. Ah, il est comme le 1 et franchement il est génial. Moi les punch out, je pense que tout le monde a adoré. Faut bien analyser et comprendre leur technique et après ça passe. Hein. Ok d'accord. Ok. Donc quand il dit ça. Il rigole quand il fait ça, tu vois. Mais, ouais, mais alors, attends. Tiens, dans ta gueule. Aïe, putain. Ah, lui, il est plus chaud en fait. Hein. J'ai compris le truc, hein. C'est parce qu'en fait, j'avais pas trouvé le bouton pour le taper dans la tête. Voilà. Hop. Il fait tout de suite ça après. Hop. Hop, c'est en arrière qu'il faut se mettre. D'accord. Hop. Oh là, j'enchaîne une bonne partie là. C'est dommage. C'est dommage, j'étais un petit peu trop gourmand là. Ah, lui il va me praliner. Hein. Je vais même pas lui mettre un round. Et c'est quand même super technique. Moi je joue comme ça là, mais je m'aperçois que faut avant de le battre, lui, il va bien falloir le regarder. Bon, je me suis pris une fessée, je pense. Hein. Pas mal, hein? Ah, attendez, hop, je me suis trompé. Ça, bien sûr, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors. Ça a pas l'air mauvais, hein. Ça ressemble beaucoup à du Fight Night.
Putain, c'était vachement bien fait la digitalisation là. Il y avait un jeu aussi, c'était c'était kickboxing, je crois. Ah, ça y est, d'accord. C'était kickboxing, c'était vraiment. C'était super sympa. Alors, basket. Ah, attends, je veux juste voir s'il y a Chicago Bulls versus Blazers. Oh, je l'ai eu ça. Oh, quelle merde. Et ça. Oh la vache! Attends, je reviens parce que. Oh, putain, c'était énorme. Tu revois les débuts d'NBA Live et tout. Ah, oh, NBA Jam. Oh, excellent! Putain, c'était acclaim. C'était pas celui-là le premier. Ouais, c'était celui-là. Ah, Bulls versus Blazers. Et maintenant, quand je regarde les animations et tout, et le truc, je me dis. Il est pareil, c'était saccadé, c'était ouf, comment c'était dur à jouer. J'ai dormi dessus, par contre. Eh oui, mais des fois, on choisit pas les bons jeux. Hein. Ok. Alors, sport. Le temps qu'il te mette la balle, c'est. Ouais, c'était assez bien fait ça. Chavez, ouais, d'accord. Oula, mon dieu. Ah, California Games. Il y avait plein de mini-jeux à ça. Ah, bah, c'est ça! Ah, c'était best of the best! Oh putain! Et ça, c'était bien. C'était très dur, mais c'était pas mal. Best of the best. Et pourtant. Ça me dit quelque chose, ça. Ah bah si. Pas abusé quand même, hein. Marcus Magic Football. Ouais, j'avais l'école des champions aussi. S'ils mettent ça dans ce délire-là. Il y a des jeux speedrun parce qu'on va avancer quand même, on va pas être. Ah, c'est du Daytona ça. Dino Diniz, putain la vache. Or simulation. Je suis pas sûr qu'on soit au top hein. Star Fox. Ouais. Ouais, ça. J'ai juste. On va se mettre le début. J'ai pas regardé les boutons, ça s'inverse. Et ça en dessous. Eh mais, il était chaud ce jeu. Il était chaud, mais à la fois, il était super bien fait. Ça passe. Parce qu'il faut aider les copains aussi.
On pouvait faire des trucs, je crois, là, des loopings et tout. Mais à l'époque, cette 3D là. C'est avec Nintendo. Hein. Ah, c'était la grosse bombe magique, ça, je m'en souviens. Fallait pas les prendre pour des cons. Hein. Sega et Nintendo, je vais te dire. Eh putain, mais c'est que ça tourne, hein. Ah, y'a le boss. Le boss, on se souvient que c'était ça. Mais toutes ces petites musiques, tout ça, moi, elles m'ont traumatisé. Hein. Bien là. Faut commencer au début, je crois. Hein. Ouais, c'était ça. Non, pas au début, mais pas loin. Bon, faut pas déconner quand même. Mais en tout cas, très bon jeu. Vraiment une merveille. Ah, il y avait plusieurs. Non, attends. Bon, c'est la même chose, hein. On va pas. Alors, shooter. C'est. Non. Non, quand même. R-Type. Oh, vas-y, j'ai envie de refaire. Alors là, c'est super R-Type, d'ailleurs. C'est pas... C'est super R-Type, hein. Ah, bien que le début est amené de la même manière. Bah si, c'est ça. Si, si, bah c'est celui-là. Si, si, excellent. C'est ça. Oh, excellent, ça c'est une tuerie ça. Ah, j'en suis indirect. Voilà, petit jeu, tu vois, voilà, tu passes des heures là-dessus. Putain, c'est carrément excellent. Magique aussi. Attends, faut les avoir de l'intérieur. Ils sont chiatiques. Voilà. Ah. Tu vois, je me suis relâché. Je me suis dit, tiens, je vais me remettre en une petite position super sympa. Très très bien ça. Alors Supernova, tiens, je connais pas. Bon, ils disent pas spécialement. Oh non. Oh non. Oh non. Non, ça je préfère tout de suite aller dans le bon, ça, hyper connu. Aller dans les jeux Neo Geo en fait arcade tout immédiatement que d'aller dans ce genre de choses. Et entre autres Raiden qui est R-Type 3, bah qui est de toute façon qui doit être magnifique. Ça c'est bien ça. Ah putain, ouais, vas-y, je fais.
Ça, je fais. Popine. Ouais, Popine. Alors, hop. Il me semble que ça, c'était vraiment bien. Hein, le petit bonhomme là qui. Normal, on va pas non plus. Ouais, ça c'est voilà, ça c'est fort. Attends, hop, est-ce que je les prends? Ah, et rose, voilà. Ouais, vous voyez, ça c'est super bien fait, j'adore. Et ça c'est comme ça, regardez, hop. Comme ça c'est rafraîchissant, c'est coloré, c'est voilà. C'est mignon comme tout ça. Des grappes de raisin, je dis que si c'est des grappes de raisin, ça. Enfin, c'est la sonde. Allez, là. Voilà. Ouais, c'est frais quand même, hein. Franchement, c'est. Putain, je suis en train de perdre. Okay. Ouais, tu vois, c'est frais, ça fait. C'est bon. C'est bon. Non, ça c'est bien, franchement c'est bien. Ça c'était très bien aussi, ça là. Ouais. Ça j'ajoute parce que ça c'était super. Et donc le premier qui était. Non, ça c'est bien par contre. Ça je connais pas. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais il y avait aussi un jeu avec. On était plusieurs pilotes. Ah, je l'avais fait ça. Ah, j'avais fait. Ah, c'est ça, Jungle Strike, le jeu d'hélicoptère que je parlais la dernière fois. Eh, on voit tout de suite comment il tourne l'hélicoptère, ça n'a rien à voir. C'est Jungle Strike. Allez, vas-y, je le joue pas parce que j'ai pas envie de jouer l'hélicoptère. C'est celui-là que j'avais. Imperium. Je vais voir, ce que ça donne. Pas trop. Ça avait l'air d'être bien animé. Bon, je garantis pas le résultat par contre. Hein. Mais bon, c'est un Goldorak. Ah ouais, putain la vache. Ouais, rien que t'as les nuages qui sont passés, tu descends 20 images par seconde. Non, c'est même quoi. Ouais, voilà. Et ça, par contre, c'est... J'en étais pratiquement sûr. J'aime bien ce style. Très arcadien, très Neo Geo, d'arcade. Voilà, c'est bien ça. On est sur Super Nintendo quand même, hein. C'est jamais sorti sur la Nintendo chez nous, hein. Sorti sur la Super NES, mais pas sur. Et encore, pas sur. Ça c'était sur la Famicom.
pratiquement sûr que ça soit sur la famille comme ça. Par contre la batterie là. Oh, putain. Bon, c'est bien, je me suis pas trompé. Non, c'est, il est pas mal hein. Un Gundam. Bon, on va changer. Non, pas du tout. Non. Non plus. Mon Gradius, oui. Ordre défense force. Ça a l'air pas mal. Doom. Oh. Fais voir à quoi. Oh là là. Putain, je l'ai tué celui-là. Et je l'avais adoré quand je l'avais repris sur la 32X. Alors, c'est sûr que là, ça va pas me plaire. Putain, c'est un joueur. C'est pour ça que j'ai en train de dire que j'avais adoré ça. Attends, faut prendre l'arme. C'est bon. Nette amélioration. Sur PC même il était carrément plus beau que ça. C'est vrai que putain. On peut pas dire qu'on. On a Doom quoi. On avait Doom. Et. Fallait le faire, hein, c'est pareil. Hein. Putain. Ça tourne pas bien. Les yeux. C'est un carré. Ça, et tu joues sur un 127 cm, j'explique pas comment tu ressors. Tu vois rien, regarde-moi ça, c'est tout petit, c'est tout loin. Ah, faut pas tomber dedans, je crois. Ouais. C'est pixelisé. Bon, je... Alors là, on est dans les jeux qui doivent être certainement exceptionnels. Et Might and Magic. Ouais, un jeu qui était exceptionnel. Alors, pas certain sur Super Nintendo, hein, sur PC en tout cas, c'était bien. Mais ça, c'est des jeux, vous voyez, j'ai jamais connu, et je suis sûr que il déchire. Je suis sûr que ça déchire, ça. Tiens, je connais pas. Mais ça, on l'a pas eu en France, hein.
Je pense pas, enfin, moi j'en ai pas eu vent. Mais bon, je suis pas sûr qu'on soit dans un. Ah, mais par contre, ça a l'air d'être cool. Alors là, Hello Frodon. Alors, est-ce qu'on peut aller dans les. Non, d'accord. Ça, c'est notre esquive. Notre petit village. Est-ce que vous avez eu Pipin? Pipin, je l'ai vite fait. Hein. Après voilà, hein, c'est pas, ça a pas l'air foufou. Hein. On va aller sauver Pipin. Ça a pas l'air foufou. Par contre, ça a l'air d'être un peu un open world. Ça c'est esquive. D'item équipé. Ah, alors là, s'il y a la meute, je vais peut-être me barrer parce que je suis pas sûr de m'en sortir. Là. Ils ont peur de crever. Ah, si, ah bah, moi en même temps. Bon, c'est pas fou. Hein. Par contre, je pense que ça doit être un bon un roleplay, comme ils disent, hein. Il n'y a pas de souci. Ah, Gaïa. Ça, c'est excellent, ça, Gaïa. Très très bien ça. J'avais jamais fait mais c'est très très bien. Bah bon, les Final Fantasy, jamais fait par contre cela. Earthbound. Ça me parle pas. Alors Dungeon Master, si ça par contre je connais, y a pas de soucis. Alors ça, hors de question. Chrono Trigger, magnifique. Très très bien. On reconnaît tout de suite le design de Akira Toriyama. Donc bon, hop. Ça je connais pas. Je suis sûr qu'il y a vraiment des bombes, hein. Je suis sûr que dedans il y a des trucs de ouf. Hein. Ça je supporte pas comme ça les. Oh, qu'est-ce que c'est que cette perspective? Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est une dégueulasserie, quoi. Ça se trouve, on va me dire, ah, mais tu rigoles! Je trouve que c'est pas tellement. Je trouve que la perspective, elle est. Et puis tout de suite, ça, c'est assez spécial, quand même. Ça, Terra Enigma, je suis sûr qu'il y a vraiment du bon, il y a du lourd. Ça, je suis pas trop fan. Super Mario RPG, disons. Ça, on l'a pas connu, ça. Hein. Je pense pas que ça soit sorti chez nous. Ça, ça a l'air bien fait quand même. Surtout que maintenant quand tu vois le jeu à quoi il ressemble, plus du tout à ça. Secret of Mana par contre, ouais. Ouais, Secret of Mana c'est quelque chose. Hein. Ça je connais pas. Ça je connais pas. Et on est revenu après. Alors quiz, ça sert à rien, je suis nul. Plateforme. Ouais, c'est le 1. Putain, celui-là. Excellent. Je pense qu'il devait être pas mal celui-là. Pitfall,
Dur, je crois, dur. Hein. Tu vois, tu as putain pitfall. Loading game. Ah non. Ah non, bon, on verra pas pitfall. Bon, de toute façon, les amis, je vais m'arrêter là parce que je pense que on en a vu quand même pas mal. Hein. On avait fait une petite démo, je trouve que c'était assez sympathique. Et puis on se refera des petites sessions rétro. On va continuer la Super Nintendo parce qu'on n'a pas fait les véhicules encore, on n'a pas vu Mario Kart, tout ça. Donc on s'arrêtera ici, puis voilà. J'espère qu'on se reverra bientôt. Ou pas, hein, c'est pas grave. Allez, ciao, ciao. Hop.